Curiosité. Oh ouais, piano de ouf. Alors, on va détruire tous les miroirs. Donc, voilà. On aime ça, on adore ça. Quelle honte. Une belle cheminée, défoncée. Bon, on est dans normal. Hein. Vous pouvez constater, c'est magnifique. Là, vous pouvez visiter. Vous pouvez constater. Avec la famille, magnifique, ouais, hanté et détruit. Voilà. Tout est là. Attention. Voilà. Les gens cassent tout, détruisent tout. Oui. Non mais, vous allez me dire, mais comment on peut laisser ça là dans l'eau? Ah, ils ont tout détruit. C'est les chiottes, magnifique. Ça reste quand même un peu manoir. Surtout, il ne faut pas faire de bruit. Et juste les voisins à côté. Parce que j'en ai un peu prince. Voilà, tu peux aller jusqu'au fond. Regardez cette vue. Magnifique. Deux semaines, trois semaines sans surdex. Franchement, ça fait du bien. Ben voilà. On va chercher un balcon. Voilà. Je suis servi. Magnifique. Que dire. Au top, au top, au top. Là, ça m'a remonté le moral. Au top, rien à dire. Par contre, c'est tout défoncé. Franchement, ça m'énerve. Tout est défoncé. Tout est défoncé. Belle vue de ouf. Ouais, super belle. Mais de ouf. Ah ouais, je savais pas que ça existait encore dans l'urbex. Un truc comme ça, franchement, c'est. Au top. Au top. Donc, on revient là où on était tout à l'heure. Franchement, c'est balèze. En plus, ils ont une belle petite rivière là. Ah ouais. Au top. Franchement, au top. Rien à dire. Superficie de ouf.
Malheureusement, les gens cassent tout. Ils cassent tout. C'est vraiment dommage. C'est ça aussi dans l'urbex. C'est ça en fait. C'est les petits mouvements comme ça. Oh, putain, c'est ça qui est ouf. Les petits mouvements comme ça. Qui claquent. Donjon comme ça, c'est dommage de pas préserver des trucs comme ça, c'est vraiment dommage. Il y en a aussi château comme ça complètement détruit, c'est vraiment dommage. Il y a vraiment du potentiel ici. C'est dommage parce que la pire des choses pour moi, c'est quand j'ai quitté ce lieu qui est magnifique, qui est au top. Bon, je vais faire attention là parce que là il y a quand même un balcon. Il y a des voisins en face, il faut faire très 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 attention. Voilà, on va faire trop de bruit. C'est ça dans le milieu de l'urbex, c'est ça, des trucs comme ça. Des trucs ornés comme ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Là, je pense qu'on peut y aller, là. Là, il faut faire attention des voisins, là. On dépêche, on va monter. Il y a encore un petit passage là, mais on va monter encore. Magnifique de ces tacs, mais ça gâche un peu l'artistique. C'est magnifique. On sait même plus où y aller en fait. Je sais même plus où y aller. Je vais vous expliquer un truc. Dans l'urbex, il faut surtout pas taguer. Casser les carreaux là comme il faut. Et donner l'adresse. Surtout pas donner l'adresse. Surtout ne donnez pas l'adresse. Ok. Il faut surtout pas donner l'adresse. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, au top. Il faut faire attention quand vous arrivez là. Ça peut se détruire ou se casser la gueule. Faire très attention, on va doucement. Vous voyez l'humidité, il faut pas aller là. Du moment où tu respectes la maison, au moment où tu fais rien à la maison. Ne pas taguer, ne rien casser et ne pas donner l'adresse. Si tu respectes cette règle-là, la maison te respecte. Mais on va dire une maison, c'est vivant. Ça a une mémoire. Ah, si j'avais l'oseille, je te jure, je te rêve de tout ça. Bah, il est voisin. C'est immense. Oh, c'est top. Tout ça, c'est top. Ah, la meilleure rue. Il y a encore une maison là-bas, mais j'hésite à y aller. Puis j'irai peut-être avec Clou-Clou. Et... voilà. Il faut aller vite parce que j'ai pas beaucoup de câble, pas beaucoup de batterie. Ça boit de la bière, je pense que ça fait ici. Au top. Au top. Encore une belle cheminée.
ça abandonné. Le carreau, il est cassé. Donc ça fait partie de la maison, je pense. Je pense que ça fait partie de la maison. On ira avec le clos demain. Au top. Rien à dire. Au top. Mais c'est pas fini, c'est que le début. Essayer d'aller par là, ici. Bon, on peut passer par les voisins. J'essaie de se faire voir. Il est défoncé. Savoir si c'est abandonné, je pense que c'est abandonné. Je pense que tout ça c'est abandonné. Comment on peut laisser ça? C'est incroyable. C'est pas au top ça, franchement. Une maison comme ça, t'en trouveras pas beaucoup ici. Là, t'en trouves pas beaucoup ici. Regardez, c'est pas le top. Tout ça c'est abandonné. Ça aussi, j'ai vu qu'il y avait les carreaux pétés. Et tout ça, cette partie c'est abandonné. Plus. Là-bas, vous avez un étang de Quetzaine, au top. Franchement, au top. Après 3 semaines de sans urbex, franchement... Comment on peut laisser des trucs comme ça abandonnés? Mais ça me fout, ça me... Et en même temps, ils sont en train de tout casser. Ils cassent tout. Ils cassent tout ici. On tente. Allez, let's go. Magnifique. Après, il ne faut pas être gourmand. Il ne faut pas être trop gourmand, 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 gourmand. Mais d'après ce que j'ai vu, les carreaux sont pétés. Oh, au top. Oh là 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 là. Comment on peut laisser des trucs comme ça? Non, honte à la France. C'est pas fini. Regardez, il est encore là. Ah ouais. Putain, c'est un petit ouf. Faut faire extrêmement attention. Ah ouais, avec le palmier et tout ça. Putain. Wow. Putain, au top. Au top. Franchement, au top. Rien à dire. Attendez. Il y a un truc de ouf. Une piscine abandonnée. Ah ouais. Ah ouais, putain, au top. Une piscine abandonnée. Oh putain. Ah ouais. Oh putain. Oh là 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 là. Top des tops. Oh putain. Oh là 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 là. Vous imaginez même pas dans quel état je suis. Être le premier, être là. Bon, il y a eu des urbex à compter là. C'est le top. Bon, voilà, voilà. On s'arrête là. On reprendra une deuxième partie demain. Voilà. On va pas rester plus longtemps ici. On reviendra ici. Vu l'heure qui reste. Voilà. Faut pas rester trop longtemps ici. Voilà, voilà. Bon, on a enchaîné la première partie. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment immense. Vraiment immense, incroyable. Alors, on reviendra demain et on essaiera de passer par là. Voilà, voilà, voilà. Donc on est là, on est motivé, on est déterminé, on pose en famille, tu vois, ce qu'on voulait. On aime ça, rien à voir ça. Franchement, que dire. C'est ça l'urbex, c'est ça. Attention, il est trop. Alors, il y a du passage, hein. Donc il y a des gens qui passent. Je pense que c'est une chapelle. Ah là 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 là. Je pense que c'est une chapelle. Oh là 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 là. Château.
piscine, chapelle, putain, au top. Bon, en espérant qu'ils n'ont pas détruit. De ouf. Bon, déjà, la cloche, elle est là, rien, c'est mauvais. Ah ouais. Ah ouais. Ça va, ils ont pas cassé le... Si, ils ont quand même cassé. Ils ont quand même cassé. Ah ouais, au top. Au top. Au top. Rien à dire. Au top. Oh là là. Voilà, voilà, on a fini. Voilà. On dit au revoir. J'espère que ce château, quelqu'un va le reprendre. Parce que franchement, il y a du potentiel de fou. Avec 1 million d'euros, je suis sûr qu'il y aurait partout. Allez, première partie. Voilà, voilà. Et tout ça abandonné. Il y a de quoi faire. Let's go. Voilà, superbe expérience de l'urbex. Rien à dire. Tu rentres comme ça compte dans un moulin. C'est incroyable. Donc voilà, on est là, on est motivé, on est déterminé. Voilà, voilà. Et on va passer par là. Let's go! Allez, juste en face de. Voilà, on a fini. Magnifique. Allez, on rentre à la casse-bois.